Comment ils vont? J'ai bien commu. Faites pas gaffe au décor, c'est dégueulasse. Comme l'influenceur devant vous, hein, bien entendu. Pourquoi je fais cette vidéo? Très bonne question. Non, c'est pour parler un petit peu la petite communauté. Je vais jamais fixer la caméra parce que je suis pas habitué. Voilà, je la fixe, mais voilà, je suis pas habitué. Oh, bizarre cette intro, non? Ce Squeezie, non? C'est bizarre, hein? Est-ce que c'est bon pour vous? Est-ce que c'est bon pour vous? Non, grâce à ma magie du montage, je cut parce que j'ai oublié, oui, j'avais fait une petite intro, évidemment. Ouais, on met l'intro. Oui, ouais. Vous aurez peut-être reconnu d'où vient l'origine du logo de cette intro. Voilà, bon, c'est un des games, mais voilà. Bon, c'était une autre époque, hein, c'était quand je marchais, quoi. Petite mise au point, comme le titre de cette VOD, pour parler du futur de la chaîne, tout ça, tout le toin-toin. Je me cache derrière le micro, hein, c'est vraiment, je suis un peu timide. Oui, donc, hein, voilà, bien sûr, on n'a pas entendu le paf, mais voilà, bon, vous l'avez, ça se coup. Je suis plâtré, donc pour jouer, c'est chiant. Mais je joue quand même, hein, voilà. Donc... Ah, attends, avant que... Attends, il y a le micro qui veut m'achever, là, je reviens, ok. Oui, on va parler du futur de la chaîne, tout ça, parce que j'ai quelques trucs à régler avec vous. Pas avec vous personnellement, mais voilà. Ok, le micro qui veut encore m'agresser, là, bordel de... J'ai compris, voilà. Donc oui, d'abord quelques points. La chaîne va avoir potentiellement, dans cette fin d'année 2023, des choses nouvelles. Certains le savent déjà, mais je fais des travaux pour ma future maison, voilà. Je vais loger dans ma future maison, et donc dans ma future maison, il y aura mon bureau. Donc là, le décor à chier derrière et le chantier juste là, voilà. Préparez-vous parce que vous le verrez plus. Le décor est aussi de mauvais goût de ce qu'on m'a dessiné de mon plâtre, hein, voilà. Donc je vous laisserai analyser un petit peu, voilà, c'est marrant. Donc je serai chez moi, je serai fibré, parce que la fibre en 2023, bah, il faudrait y songer, non, voilà. Et donc on va streamer, hein, évidemment. J'ai déjà fait quelques streams, voilà, parce que j'avais des occasions, mais voilà. Autre point que je voulais voir avec vous. Du coup, donc potentiellement dans les prochains mois du streaming, etc. Je voulais voir avec vous aussi pour les best-of également. Car les best-of, le dernier vous a pas mal plu, hein, bien sûr, comme toutes les autres précédemment. En selon les best-of, un petit peu le format change un petit peu parce que je me cherche un petit peu dans ma manière de travailler. Et donc, voilà, je ne sais pas encore trop quelle identité à donner à mes best-of. Bon, la dernière, en outre, le 12e, si je dis pas de bêtises, il y a moins de montage avec des mèmes, par exemple, mais il y a les sous-titres, etc. Pour être honnête, je me suis inspiré des best-of de Zerator, voilà. Ce type de montage me plaît pas complètement, enfin du moins... Pour moi, elle est incomplète. À mon avis, je voudrais rajouter un petit peu plus de montage, quoi, tout simplement, voilà. Mais je voulais d'abord avoir votre avis aussi, également. Est-ce que, pour ceux qui auraient peut-être vu tous les best-of, voilà, dites-moi si vous pouvez éventuellement, pourquoi pas me dire à quel type de best-of vous aimeriez, voilà, juste des cuts, ou s'il faut vraiment... parce que là, le dernier best-of, par exemple, il y a juste des cuts, des sous-titres et voilà, des zooms. Est-ce que voilà, vous voulez des best-of un peu plus travaillé quand même ou pas? Voilà, bon, déjà que moi je suis pas le plus rapide, hein, pour sortir des best-of, hein, parce que c'est tout moi qui monte, d'accord, hein, c'est du fait maison, d'accord, voilà. On est artisanal ici, d'accord, voilà. Donc voilà, j'aimerais avoir votre avis, etc. On reparlera aussi également pour le futur où je pourrais streamer machin, donc pour les rediffs, effectivement, est-ce qu'on les mettra des rediffs complètes, voilà, où ça sera des VOD de plusieurs, peut-être d'une heure ou deux ou plus, où ça sera pas monté, ça sera des vidéos brutes, ou si est-ce que vous voulez du côté ou pas, on aura l'occasion d'en reparler, je pense. C'est pas urgent. Voilà tout. Qu'est-ce que je veux voir avec vous? L'aventure, le Let's Play Zelda, je pense qu'on va reprendre, hein. Bon, évidemment, les vidéos qui vont suivre là pendant ces quelques mois, vous l'aurez remarqué, il n'y a plus la cam. Là, il y a la cam exceptionnelle, incroyable. Bon, après, je pense que ma tronche, voilà, on pourrait s'en passer, mais voilà, bon. C'est que je vous avais peut-être habitué à montrer ma gueule, mais là, ça va être un petit peu moins le cas, voilà, pendant cette période, voilà. Je pense qu'on reprendra la cam une fois que j'aurai aménagé, etc. Comme ça, voilà, il y aura la reveal du décor et tout, ce sera excellent, voilà, super cool. Et donc, voilà, bon, je vais faire assez court, du coup, qu'est-ce qui va arriver pendant ces prochains mois, en attendant l'aménagement, tout ça? Eh bien, il y a quelques petits jeux sympas qui vont arriver.
Moi, ce que je vous propose, c'est que ben, je vous montre avec des petites cinématiques d'extrait de chaque jeu concerné. Quel jeu la F-Corp va-t-elle jouer pendant les mois qui vont suivre? Il y a du contenu, voilà. Moi, je vous laisse sur voilà, le petit teaser que je vais vous faire passer, voilà. J'espère que vous passez une bonne journée ou une bonne soirée, c'est vous qui voyez. Bisous, bye. Allez, check du coude, hein. Voilà. Après, quoi.